Tu l'ouvres. On va par les côtés. Et tu soulèves. Cela fait des semaines que Léon, 5 ans, attend ce moment. Il est né avec des doigts en moins et pour compenser ce handicap, le garçon reçoit une main digne d'un super-héros. Elle te plaît ? Oui. Alors ? La prothèse fonctionne de façon mécanique. En bougeant son poignet, Léon referme ses doigts. Yes ! Il a pu choisir chaque couleur. Orange, violet, jaune, vert, rouge, vert. À l'origine, c'est informaticien. Thierry Okidam est bénévole pour l'association Inable qui fabrique gratuitement ces objets 3D. Yes ! Dans ce petit bureau, il réalise les mains de A à Z. Tout commence par l'étude du handicap de l'enfant. Léon, il a un pouce qui est complètement opérationnel, articulé, fonctionnel. Simplement, comme il n'a pas de doigt à côté et une paume qui est vraiment toute petite, il n'a pas de pince. Donc l'objectif, mon challenge à moi, dans la mesure du possible, c'était à travers la fabrication de l'appareil, de lui apporter cette pince. L'association a mis en ligne plusieurs modèles de mains 3D. Thierry Okidam choisit celui qui convient le mieux à Léon et l'adapte à sa taille. Du sur-mesure, rendu possible par une révolution technologique, l'imprimante 3D. On va fabriquer à la demande, au moment où on en a besoin, un objet qui va être à la fois unique, sur mesure et personnalisé. Voilà, c'est fini. 24 heures sont nécessaires pour imprimer toutes les pièces en plastique. Chaque main revient à 50 euros environ, un prix bien inférieur à celui d'une prothèse médicale. L'assemblage est un jeu d'enfant. C'est très facile à monter, ça va très vite, puisque tout est sur la base de goupilles qui sont elles-mêmes imprimées en 3D. Et puis toute la partie câblage à la fin, où on a des élastiques qui servent à ramener les doigts en position ouverte lorsque la main est au repos. Retour chez Léon. Peu à peu, le garçon s'approprie sa nouvelle main. Est-ce que tu peux prendre avec... Essaye-moi, montre-moi. Là, c'est plus... Ouais. La main donne accès à des mouvements très simples. Elle ne remplace pas une prothèse médicale, mais donne confiance à l'enfant. T'as de la chance d'avoir une main comme ça, mon chéri, ou pas ? Oui. Je sais déjà que j'ai de la chance. Si un jour il a besoin, en fait, plus tard, d'une vraie prothèse médicale, je pense que le pas à franchir, il sera plus facile puisqu'il aura eu la prothèse 3D. Et qu'au niveau confiance en lui, je trouve ça génial qu'en fait, le handicap, au lieu de là être un truc en moins, c'est un truc en plus. Comme Léon, d'autres enfants atteints de malformations souhaiteraient une main 3D. L'association cherche donc de nouveaux bénévoles équipés d'une imprimante. Le petit chapeau en rouge, c'est ton tour, Léon.